vous asseyez là où vous voulez. En principe, une rangée représente une maison, une famille, une adresse. Donc, à votre discrétion de prendre place. Une rangée représente une adresse, une maison. Alors bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay, je suis le directeur ici au Salon funéraire Le Sieur et j'ai aussi le titre d'officiant de la vie, ou célébrant de la vie. Parce qu'ensemble, nous allons souligner la vie en général, bien sûr, en faisant un hommage à Pascal. Mais avant de poursuivre, c'est libre à vous, bien sûr, si vous voulez garder ou non vos masques pour deux raisons. Parce que, un, vous avez 2 mètres de distance en face de vous et de deux, la personne en face de vous est de dos. Et la troisième raison, comme vous allez à un goûter tantôt, on s'entend-tu que vous allez pas mal vous jaser ça sans masque, à moins que vous mangez avec votre masque, et j'aimerais ça que vous me disiez comment vous avez fait. Voilà la parenthèse fermée. On a tous suivi des cours de philosophie une fois peut-être dans notre vie, ou du moins on a souvent entendu parler d'une question, un mot. Pourquoi? Vous avez sans doute connu un enfant, lorsqu'il est tout jeune, qui n'arrêtait pas de dire « Pourquoi? 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 Est-ce que ça vous est déjà arrivé? » Oui? Non? Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, très bien. Pourquoi? Pourquoi qu'il fonctionne? Bien, c'est ça, parce qu'il fonctionne bien. L'enregistrement, et si tout se passe bien, oui, l'enregistrement aussi. Et bien sûr, après la cérémonie, si tout fonctionne bien, bien sûr, ça va être mis sur YouTube. Donc, les gens vont pouvoir l'écouter tout simplement en faisant une recherche « Cérémonie funéraire de Pascal Josselin ». Donc, si tout se passe bien, ça devrait être accessible pour les personnes qui n'ont pas pu venir, bien sûr, ou si vous voulez réécouter le service, particulièrement les témoignages que nous allons entendre tantôt. Alors, revenons sur la question du « pourquoi ». Au Guatemala, s'il y a un mot que j'ai appris, évidemment, le mot « pourquoi », en espagnol, la traduction dit « por qué ». Et la traduction du « parce que », c'est quoi? « Because ». On est peut-être plus aux États-Unis pour « because ». Mais toute l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, la réponse « parce que », c'est « por qué ». Donc, la question « por qué » et la réponse « por qué ». Autrement dit, « pourquoi ? » ?»« Parce que ». Autrement dit, dans la propre question, il y a la réponse, surtout pour une langue latine. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que des fois, comme aujourd'hui, le cancer, peut-être justement une question. Pourquoi?
Et la seule réponse la plus simple et la plus banale qui pourrait y exister, c'est « parce que ». Pourquoi que l'univers ou la Terre, elle est ronde? Parce que. Pourquoi tous les astres et les étoiles, c'est rond, une sphère? Parce que, si vous voulez, la version la plus simpliste possible et banale, je vous dis, je ne donne pas une explication rationnelle d'une thèse de doctorat, parce qu'on aurait pour longtemps à jaser là-dessus. Mais sans plus tarder, lorsqu'on pose justement pourquoi vous êtes ici, bien c'est justement en l'honneur de Pascal, mais c'est surtout parce que vous êtes réunis ensemble pour, comme vous, encourager les uns les autres en cette période de deuil. Et lorsque justement on se déplace en l'honneur de Pascal, bien qui est Pascal? Je ne la connais pas. Et à chaque famille que je rencontre, dont la vôtre, bien je dis, je suggère que ce soit des membres de la famille qui nous en parlent. Ça fait plus personnel, ça fait plus intime. Et dès là, j'invite déjà Benjamin à venir à l'avant. Bien sûr, vous allez être plus nombreux à parler au micro. On vous demande tout simplement de parler le plus proche possible du micro, qu'on puisse bien vous entendre. Maman. Ou Boba pour les intimes. Il est malheureusement déjà arrivé le moment que j'arrêtais depuis trop longtemps. Celui de te dire un dernier au revoir. J'espère que mes paroles seront concises puisque cette fois-ci, tu n'étais pas présente pour repasser derrière moi. Et oui, je n'ai pas honte de le dire, encore à 22 ans, tu réalisais tous mes travaux d'université afin de m'aider avec ma syntaxe pour avoir des plus belles phrases. Voici l'un des nombreux exemples de ta détermination et de ta présence pour tes enfants. En effet, tu étais toujours là pour Juju et moi. Que ce soit de te lever à 6 heures le matin pour mes compétitions de vélo, de hockey ou ceux de gymnastique de Juliane. Que ce soit de rester réveillé jusqu'à 3 heures du matin pour venir me chercher un party, afin que je ne conduise pas. Que ce soit de venir me porter mon sac d'école que j'avais oublié à la maison. Tu étais toujours là. Mais, Boba, s'il y a bien quelque chose dont je te serai toujours reconnaissante, c'est de nous avoir appris l'importance de privilégier les souvenirs plutôt que les biens matériels. Tu as toujours favorisé un beau voyage plutôt qu'une belle auto, une fin de semaine de ski plutôt que des nouveaux vêtements. Et aujourd'hui, maintenant qu'on sait que ta vie s'est arrêtée aussi vite, j'en suis très content. Parce que bien que 22 années avec toi soient grandement insuffisantes, je pense qu'on a réussi à créer autant de souvenirs que si tu en avais vécu 50 avec moi. Même si tu n'es plus là, même si tu me manques, même si je ne peux plus te serrer dans mes bras, je peux au moins me rappeler de nos verres de Porto à Lisbonne, des musées de Paris en ta présence, de notre road trip en Louisiane ou bien de notre escapade à New York, des merveilleux spectacles à Disney en ta compagnie. Maman, non seulement tu as toujours été présente pour Juju et moi, mais tu as également été une seconde mère pour des dizaines d'autres jeunes. Que ce soit nos amis qui étaient toujours à la maison, que ce soit les jeunes avec qui tu as travaillé à l'école, je me rappelle des nombreuses fois où tu es allé avec des jeunes de 14 ans à leur rendez-vous, puisque leurs parents, eux, ne voulaient pas y aller. Maman, je me rappelle à toutes les fois où je t'appelais en auto quand j'étais pris dans le trafic, que tu sois au travail ou que tu sois avec des amis, tu répondais toujours et tu m'écoutais parler d'un peu n'importe quoi pendant des dizaines de minutes. Ces moments, ils vont me manquer énormément. D'ailleurs, hier, quand je suis monté à Green Bay, j'ai essayé de t'appeler pour réaliser trop tard que le numéro était maintenant hors service. Merci, maman, pour ces 22 années. Merci pour toutes les heures que tu as passées avec moi. Merci pour les valeurs que tu m'as transmises. Merci pour ton sourire. Merci de m'avoir soutenu dans les moments difficiles. Maman, je t'aime et je t'aimerai toujours. Peu importe où tu es maintenant, je sais que je pourrai toujours compter sur toi. Bien. Merci, Benjamin. J'ai
J'inviterai maintenant Juliane. Pas tout de suite, quand vous serez prête. Marie-Claude. Simplement pour vous mentionner que je vais lire l'hommage à Pascal de sa mère. Hommage à ma belle Pascal. Pascal, mon bébé. Ma cocotte d'amour, je viens de passer avec toi une année extraordinaire. Avoir pris soin de toi a été un cadeau merveilleux pour moi, malgré que je t'ai vu souffrir et espérer une guérison. Tu étais une personne extraordinaire. Je voulais aider tout le monde. Tu voulais aider tout le monde, c'est-à-dire. Tes amis t'appelaient pour avoir ton idée sur certains de leurs problèmes. C'était toujours un plaisir pour toi de les écouter. Et ce, jusqu'à la fin. Tu étais une travaillante acharnée. Tes amis étaient toujours les bienvenus à la maison. C'était même écrit à l'entrée dans ta maison. Nous avons fait de merveilleux voyages ensemble avec les enfants. Que de plaisir, que de beaux souvenirs. Il n'était pas question de voyager sans eux. Tu organisais ces voyages à la vitesse de l'éclair, pardon. Sans toi, je n'aurais jamais vu Disney, Paris, Nouvelle-Orléans, Rotan, Portugal, New York, l'Espagne et le Maroc. D'ailleurs, tu as commencé très jeune à voyager. Tu avais 17 ans à l'époque où tu es passé une année à l'école au Chili. Un peu plus tard, tu es même allé soigner les malades en Bolivie. C'était facile de voyager avec toi car tu parlais trois langues. Cette année, j'ai pas arrêté de te dire combien tu étais brillante. J'allais de surprise en surprise de voir toutes tes connaissances en regardant les quiz à la télé. Tu t'inquiétais beaucoup de Juliane qui t'aidait. Tu avais peur qu'elle en fasse trop, mais Juliane n'a jamais cessé de te soigner. D'ailleurs, ta plus grande souffrance était d'abandonner ta fille si jeune. Vous aviez tellement une belle complicité ensemble. Quand nous étions à Saint-Lin chez toi, tu avais tes enfants pour t'aider. Benjamin, toujours empressé de faire quelque chose pour toi également, de faire plein de ménage à la maison. Ça t'a rendue heureuse de les avoir près de toi, que de bons moments passés ensemble avec les enfants à la maison. Tes amis de Terrebonne venaient te voir aussi, ça faisait un grand plaisir. Merci à Nancy, Michel, Éric, José, Dominique pour tous les services rendus. T'as toujours été une sportive. Plus jeune, c'était le patinage artistique, l'entraînement, et ensuite, la course. Plusieurs marathons, d'ailleurs, on voit ces médailles à l'avant. Toute cette année, malgré tes souffrances atroces, tu as gardé ton sourire et tu ne voulais pas te plaindre. Tu t'excusais même de nous faire vivre ça. Tu es une super personne. Toujours généreuse, sociale, brillante, drôle, etc. Jean a été d'une bonté incroyable envers Pascal. Toujours à courir pour nos besoins à l'épicerie. Jeanne te dit merci, mon pute. Pascal, t'es parti beaucoup trop jeune. Il te restait beaucoup d'autres voyages à faire. Depuis ta naissance, tu as été un soleil dans ma vie. Dieu avait besoin d'un ange et il est venu te chercher. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Je vais m'ennuyer de toi et de tes drôles d'anecdotes. Tu as été si présente dans ma vie, ma belle Pascal. Repose-toi, mais je suis certaine que tu vas protéger ta famille. Tu étais tellement heureuse d'avoir de si beaux enfants. Au revoir, ma super infirmière, ta maman. Je voudrais
j'aimerais aussi vous spécifier que le texte que vous aviez lu derrière le signet de Pascal a été écrit par Juliane avec l'aide de son frère. Bravo et merci pour ce bel hommage. Pour ma part, je vais parler en mon nom. Pascal, je te souhaite un dernier voyage merveilleux. Dans les dernières fois où on s'est vu, tu m'as regardé puis tu m'as dit « Mais tu sais, Marc-Claude, je vais avoir eu une super belle vie. » Tu avais l'air tellement sereine. Sache qu'on aurait préféré te garder pas mal plus longtemps que nous autres. Ton sourire à ce moment-là va rester sur mon cœur à jamais. Bisous. Je vous embrasse, les enfants. J'inviterai maintenant Martin à venir à l'avant. Ma chère Pascal, avec ton départ, c'est la plus belle page du livre de mon enfance qui s'envole. Tu sais que quand j'étais enfant, passer la journée chez vous signifiait pour moi des heures de plaisir. Nous formions le couple parfait. Quoi que l'on fasse, je voulais toujours gagner, donc tu me laissais tricher. J'étais turbulent, mais ton calme faisait du bien. Je parlais fort et toi doucement pour compenser. Quand je repense à tout cela, je me demande comment tu faisais pour m'endurer. J'avais des plans bizarres et toi, tu semblais toujours les approuver. Je te soupçonne aujourd'hui d'avoir prévu avant moi que la boîte dans laquelle j'étais assis en haut des escaliers du sous-sol de ta maison allait débouler au lieu de glisser comme j'avais prévu. Tu devais bien rigoler d'avance quand je t'ai demandé de donner la poussée. Déjà enfant, tu avais les qualités qui ont fait de toi la femme si appréciée que tu es devenue. Le calme, la tolérance, l'amour des autres et surtout de la vie sont des valeurs qui t'ont toujours habité. La surprise est plutôt venue quand tu as décidé d'aller passer une année au Chili à la fin de l'adolescence. La petite fille qui dormait la porte ouverte et la lumière allumée avait vraiment pris son envol. Et cette passion des voyages ne te quittera plus. Bien sûr, Pascal, j'ai des petits regrets. Je regrette d'avoir toujours remis à plus tard les invitations et les visites à Saint-Lin que je me promettais de te faire. Je sais aujourd'hui que ce temps-là ne reviendra plus. Heureusement que toi et les enfants veniez à chaque année à Noël chez mes parents et je t'en remercie aujourd'hui. Merci aussi pour l'accueil que tu m'as fait il y a seulement 3 semaines. Cet après-midi-là, je l'oublierai jamais. Je vous ai trouvé tellement forte, Jeanne, toi et Juliane. Ton corps était malade, mais tes beaux yeux étaient encore pleins de vie, et tu as réussi à me réconforter. Tu m'as dit comment tu étais fière de tes enfants, de leur réalisation, mais surtout de leur gentillesse. Et je trouvais ça beau de voir Juliane s'occuper de toi. On s'est raconté des souvenirs, et tu m'as dit que ton enfance avait été parfaite, entourée de tous tes cousins et cousines. Tu étais fière et satisfaite de la belle vie que tu avais eue. Ce que je vais retenir, et ça devrait s'appliquer à chacun de nous, tu m'as dit que tu étais contente de ne pas avoir attendu pour voyager avec ceux que tu aimes. Cela, je le sais, t'a permis de partir sans regret. Ces paroles n'enlèvent pas la douleur de ton départ, mais elles mettent un baume sur ma tristesse. Repose en paix, petite cousine. Merci, Martin. J'inviterai maintenant Pauline. Je suis très émue d'être avec vous. On a bien prié pour que Pascal soit guérisse, mais bon, c'est ainsi. Alors, comme elle aimait beaucoup la vie, j'ai pensé vous présenter quelque chose pour ceux qui restent. Excusez.
tant pour ceux qui restent, l'important, c'est d'être vivant deux fois plus quand on perd des gens qu'on aime. Alors, tant qu'on aura des yeux, il y aura des fleurs, des lunes de neige, des aubes de feu, des feuilles naissantes ou mourantes dans les saisons de nos mains. Des vents échevelés dans le pollen de nos rêves les plus fous. Des regards d'éternité gravés dans le cœur, comme dans une mémoire de pierre. Des humains aimés qu'on ne saurait jamais oublier. Tant qu'on aura des mains, il y aura du velours pour envelopper la nuit dans la douceur des songes. L'écho tangible d'une voix, le souvenir soyeux d'un visage, un battement au cœur d'une ressemblance. Tant qu'on aura quelqu'un à aimer, on sera vivant. Vivant malgré l'absence, vivant même d'une invisible présence. J'inviterai maintenant Yves. Bonjour. Je vais composer un texte qui malheureusement est resté chez moi. Alors, je vais me contenter de vous donner quelques anecdotes de Pascal qui sont peut-être un peu amusantes. Mettre un petit peu de sourire ici. Alors, moi, je le décrivais toujours comme la fille qui courait des marathons. Je trouvais que ça le décrivait bien. Excusez. Tina. Dans la vie, il y a de ces personnes d'exception qui se distinguent par leur cœur, plus grand que nature, par la façon de toujours placer les autres avant eux-mêmes et par leur grande humanité. Pascal, tu fais partie de ces personnes, celle qui écoute, celle qui soutient, celle qui donne sans compter, celle de qui on veut toujours s'entourer, celle qui explore le monde, celle qui sait toujours nous faire rire. Celle qui aime la vie. Trouver les mots justes, les meilleurs pour te décrire ma cousine, c'est difficile, car tu es tant de belles choses, et les mots sont si faibles dans des moments comme ceux-ci. Ton rôle de maman est celui de chérie par-dessus tout. Rien n'est plus important, plus gratifiant pour toi que Benjamin et Juliane. Ils sont toute ta vie. Tu es fière de tes enfants, et avec raison. Pour toi, ils sont juste une pure joie. Tu as toujours pris soin de ceux que tu aimes, toujours au-devant de tous ceux qui t'entourent. Merci d'avoir partagé ma vie, de m'avoir tant apporté. Je serai à jamais reconnaissante de t'avoir eu. Même si je t'ai perdue, le plus beau cadeau, c'est que je t'ai eu. La marque que tu me laisses par ton départ me fait réaliser une fois de plus l'urgence de vivre, à quel point la vie est précieuse et fragile. Que nous devons être reconnaissants pour chaque jour qui nous est donné. Même si la vie peut être cruelle et injuste, toi, tu la trouvais belle. Tu croquais dedans avec tant d'ardeur que je vais vivre en honorant cette manière que tu avais de l'apprécier. Je vais vivre, Pascal, vivre pour toi. Vivre en honorant ton grand amour pour la vie. J'ai presque 50 ans, du plus loin que je puisse me souvenir, t'es là. Toi, ma grande cousine que j'admire tant.
Des souvenirs d'enfance avec toi, j'en ai beaucoup, des tonnes. Ce sont parmi mes plus beaux, les Noëls chez ta mère. Tu te souviens comme on aimait se coucher dans les manteaux de fourrure de nos tantes et de nos oncles étalés sur le lit? Oui, oui, les jumeaux en portaient aussi. Les jours de l'an chez Cécile, où on ne manquait jamais le bye-bye, on jouait aux cartes ou à d'autres jeux jusqu'au petit matin. Nos étés passaient ensemble à se baigner, aller au zoo qu'on connaissait par cœur à force d'y aller. Toutes les peurs qu'on pouvait se raconter. La ronde, nos nombreux popsicles aux bananes, tes favoris. Adulte, on a habité ensemble à Sherbrooke pendant ton bac. Des années précieuses dans mon cœur pour t'avoir eu si près de moi. C'est durant ces années que Charles-Éric est né et tu étais à mes côtés. Ta mission durant l'accouchement, t'assurer que l'anesthésiste s'amène à ma demande. Tu courais les infirmières, j'entends encore tes petits talons. Et tu t'assurais que je manque jamais de soluté. Évidemment que tu es sa marraine. Qui d'autre? Avant la COVID, tu es venu me voir à Sherbrooke. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait de mise à jour sur nos vies. On avait envie de passer du temps ensemble. Un soir, on vidait les sujets entrecoupés de petits shooters tequila citron. Tu as eu un méga fou rire de me voir me tromper de plat de citron. Tina, me dis-tu, tu croques dans les vieux citrons. Tu prends ceux qu'on a déjà mangés. À ma défense, c'est sûr que j'étais un peu réchauffée, mais t'avais tant ri ce fois-là que ça en valut la peine. Les derniers mois, la COVID nous a tenus à l'écart. Je sais que tu étais entourée de tes deux enfants d'amour et de ta maman si précieuse à ton cœur. On a eu l'occasion de s'écrire souvent, souvent. Tu me donnais de tes nouvelles plusieurs fois par semaine. On se rappelait des souvenirs et on trouvait le moyen de rire. Par-dessus tout, on a pu se dire « je t'aime » beaucoup et souvent. Je vais continuer à te le dire car je t'amène avec moi dans ce qu'il me reste de cette vie. Ton combat contre le cancer était celui d'une grande guerrière. Tu me disais, c'est pas que je suis courageuse, Tina, j'ai pas le choix si je veux vivre. Ton courage, Pascal, réside dans ta manière de combattre. Forte, toujours la tête haute, en gardant l'espoir, tu brandissais l'épée. C'est un exemple de courage, de force et surtout d'amour. Au fond, c'est ça qui te définit le mieux, notre Pascal plein d'amour. Mes parents ne m'ont pas donné de sœur, mais en toi, j'en ai trouvé une. Je voudrais te parler encore longtemps. J'ai pas envie de te dire bye. Alors, à la place, je te dis je t'aime. On te dit tous qu'on t'aime. Puis Pascal, on t'entend bien nous répondre. Moi aussi, je vous aime. J'invite maintenant Juliane. Ce moment est un moment que je redoutais depuis toujours et que je pensais jamais avoir à faire si tôt. C'est probablement un des moments les plus difficiles de ma vie et j'aurais préféré avoir à jamais faire un hommage comme celui-ci pour une des personnes les plus importantes de ma vie, pour ma petite maman chérie, ma confidente, ma meilleure amie et ma partenaire de voyage. Quand j'ai su que j'avais juste environ 6 minutes pour parler en ton honneur et te rendre ce petit hommage, je me suis dit que c'était impossible, que c'était beaucoup trop court pour décrire la personne extraordinaire que tu étais et nous remémorer toutes les choses incroyables que tu as accomplies et toutes les expériences que tu as faites pour remplir ta vie. Puis inversement, par contre, si c'était pour un oral à l'école, j'aurais trouvé 6 minutes un temps exorbitant puis beaucoup trop long. Mais pour toi, maman, je pourrais parler pendant des jours sans réussir à tout raconter sur toi, sur ta vie, sur tes exploits. Parce que oui, maman, tu en as accompli et fait des choses dans ta courte vie. Toujours des projets en tête, des objectifs à réaliser, rien ne t'arrêtait, tu étais invincible. Je ne mentirai pas en disant que de continuer à vivre sans toi est l'une des choses les plus difficiles que j'ai à faire. Partout où je regarde, partout où je respire, partout où j'entends et je ressens, je te vois et je me souviens de tous les souvenirs passés en ta compagnie. Je me souviendrai toujours de tes petites danses improvisées dont tu étais donc fière et qui nous faisaient donc rire. Ou les moments de fou rire incontrôlables quand tu riais toute seule, à n'en plus finir, sans pouvoir t'arrêter, et que nous ne savions jamais pourquoi tu riais toute seule, puis qu'à chaque fois qu'on essayait de,
de comprendre, tu repartais de plus belle. Ça devait être tellement être drôle dans ta tête. Je passais mon temps à te dire que j'ai revu être dans ta tête des fois parce que tu disais toujours que tu t'imaginais des petits bonhommes puis que c'était comme une histoire et que tu ne t'ennuyais jamais toute seule. L'imagination et la créativité que tu avais, c'était époustouflant. Je me souviens aussi de la fois que nous devions rester dans une tente roulotte pendant plus de 2 mois parce que notre maison en construction n'était pas encore prête et que nous devions aller aux toilettes au dépanneur. La madame du dépanneur commençait à nous connaître parce qu'on n'avait pas d'eau ni électricité. Ou de la fois quand nous étions dans la roulotte et que Monsieur Sou cherchait sa femme dans les bois et nous l'avions aidé à rentrer chez lui parce qu'il était perdu. Ah, les aventures à Saint-Lin dans les bois, nous en avions tellement vécu ensemble. Tu voulais écrire un livre sur nos péripéties dans les bois, puis je suis sûre que tu aurais fait de fortune. Je me souviens aussi des nombreuses séries télévisées que nous avons commencées ensemble, mais jamais finies, par désir de toujours vouloir en commencer une nouvelle. Tu prédisais toujours la fin des films et séries, et ça me décourageait parce que tu avais toujours raison. Il n'y avait donc jamais de punch. Ces soirées vont tellement me manquer. Je me souviens aussi de tes talents culinaires qui laissaient parfois désirer, mais qui finissaient toujours par donner une recette super bonne, excepté le fait que tu avais un peu de misère avec les mesures et qu'on en avait toujours pour une armée au final. On mangeait cela pendant des jours, voire des semaines. Tu étais une des plus cool, mom. Même mes amis le disaient toujours. À chaque Noël ou festivité, tu voulais constamment me faire boire pour me rendre un petit peu seule avec toi et pour rire avec moi en faisant tes niaiseries. Des voyages et excursions, on en a tellement fait avec toi. Les petits séjours au chalet de pêche à chaque été étaient mémorables. Je me souviens que tu te pratiquais à courir pour le marathon et que tu avais tellement chaud qu'en revenant de ta course, tu te pitchais dans le lac tout habillé, même s'il était glacial. Ou les nombreuses fois où nous sommes allés à la plage de Plattsburgh ou juste faire des petites excursions en forêt à faire des pique-niques. Ces moments étaient toujours tellement agréables en ta compagnie. Je me rappelle aussi de la fois où nous sommes allés faire du paddleboard et qu'on avait pris le mauvais chemin dans la rivière. Donc, nous nous sommes ramassés à faire la grosse boucle destinée au kayak plutôt que celle destinée au paddleboard. On était tellement épuisés parce qu'en paddleboard, c'est vraiment pas vite. Surtout qu'il s'est mis à pleuvoir si fort à la fin qu'on était tous trempés. Sur le coup, on trouvait peut-être pas ça le drôle, mais à la fin, on en riait tellement. Ou les moments mémorables dont je me rappellerai toujours, comme quand on était couchés sur notre balcon à regarder les étoiles filantes. C'était tellement des beaux moments. Nos nombreux voyages ensemble resteront aussi gravés à jamais dans ma mémoire. Disney, Paris, New York, New Orleans, Puerto Vallarta, Espagne, Roatan, avec les nombreuses péripéties comme la fois à Roatan où on avait décidé d'aller faire l'équitation hors de l'hôtel et que notre taxi n'était pas là pour nous ramener, donc nous avons été contraints de revenir sur un petit scooter, chacun notre tour, derrière un bon Saint-Martin d'endroit. En y repensant, oui, ça aurait pu être dangereux, mais bon, rien nous est arrivé, puis ça nous faisait une belle anecdote à raconter. Tu avais aussi fait du karaoké devant tous les gens de l'hôtel, malgré ta gêne et ta peur. Rien ne t'arrêtait, tu fonçais toujours et vivais ta vie à fond, et je t'admirais tellement pour ça. Tu étais la meilleure maman que l'on puisse avoir. Tu faisais tout pour nous et nous donnais tout, et je serai éternellement reconnaissante de toutes les choses que tu nous as données et appris. Nous n'aurions jamais pu demander mieux comme mère, tu étais tellement présente pour nous, tes enfants. Juste de penser aux nombreuses fois où tu m'accompagnais à la gymnastique pour me filmer parce que tu étais fière de moi, même si j'étais loin d'être la meilleure. Ou quand tu m'accompagnais à l'équitation pour m'aider à préparer mon cheval et qu'au final, tu te ramassais à ramasser le crottin de mon cheval et balayer la place parce que j'avais plus le temps de le faire. C'est vraiment pas toutes les mamans qui auraient fait ça pour leur fille. Merci aussi d'avoir partagé ton amour pour les animaux avec moi. Nous en avons tellement recueilli des animaux, chats n'en plus finir, chiens, écureuils, oiseaux et ratons laveurs, qui, en passant, était tellement choyé et gâté par toi parce que tu lui faisais des œufs cuits durs le matin juste pour lui pour son déjeuner. J'étais tellement chanceuse de pouvoir partager cette passion des animaux avec toi qui me permettait d'en avoir à la maison. Il y a tellement de moments dont je me rappelle avec toi, je pourrais encore en nommer 600 000 tellement tu nous en faisais faire des activités et des voyages. Toujours prête à nous désennuyer, tu trouvais les itinéraires de voyage et les activités les plus folles. Des anecdotes avec toi, j'en ai en banque pour parler pendant des années. Des qualités aussi, t'en avais à n'en plus finir. Forte, indépendante, esprit libre, accueillante et rassembleuse, avec tes nombreuses soirées meurtre et mystère, soirées Super Bowl, party barbecue, party de jour de l'an, bref, plein de festivités pour rassembler les gens et passer des merveilleux moments. Tu étais chaleureuse, charismatique, généreuse, créative, attentionnée, cultivée, intelligente, bref, je pourrais encore en aimer tellement.
mais surtout ta joie de vivre si contagieuse nous donnait toujours le sourire en te voyant, et ton énergie débordante nous permettait de rêver et de vouloir conquérir le monde. Tu te sacrifiais toujours pour les autres, et nous pouvions toujours compter sur toi pour de merveilleux conseils. T'es pas juste ma petite maman dorée, t'étais ma confidente, ma meilleure amie. Tu as gardé ton énergie, ta vitalité d'esprit, ton sourire et ton sens de l'humour jusqu'à la fin. Tu me faisais tellement rire avec tous tes cravings de nourriture étrange de femme enceinte vers la fin. Poutine au poulet, quand ça faisait environ 20 ans que t'en avais pu manger, pizza froide, gyro, maïs en canne, bref, plein de nouveaux cravings de nourriture que t'avais jamais voulu manger avant. Maman, je t'avoue que je pensais jamais être capable de pouvoir continuer à vivre sans toi, après la place énorme que tu prenais dans ma vie. Ce vide laissé derrière toi est énorme, et je pense pas pouvoir être capable de le combler un jour. Mais je vais essayer. Je vais essayer de continuer à avancer malgré tout, pour toi, pour te rendre chaque jour fière de nous, de ce que nous devenons grâce à tes valeurs transmises et grâce à ton amour énorme. Le fait que tu sois partie me paraît comme un orage insurmontable et tellement difficile, mais je sais qu'avec la force et le courage que tu m'as transmis, je vais réussir à continuer à avancer et à suivre mes rêves comme tu me l'as toujours dit. Au final, je sais que cet orage va finir par passer, car tu seras dans mon cœur à jamais et tu seras toujours mon petit soleil qui éclaircira ces nuages sombres. Chaque jour de ma vie, je vais vivre à fond pour toi, en te sachant avec moi. Je vais faire tous les voyages et les choses que tu aurais voulu faire, mais dont tu n'as pas eu le temps, et te transporter avec moi pour que nous puissions faire ces voyages ensemble et pour que tu puisses vivre ces moments à travers moi. J'ai ta maman et je vais penser à toi chaque jour de mon existence. Tu me manqueras tellement. Je vais m'assurer de faire en sorte que si un jour j'ai des enfants, ils connaîtront la femme incroyable que tu étais en leur transmettant des anecdotes de ta vie. Et ils seront les petits-enfants les plus fiers d'avoir une grand-maman dans leur cœur aussi merveilleuse. Encore une fois, je te souhaite tout le repos qui soit au ciel et tous les beaux hommes dont tu désires. Que les anges veillent sur toi. On se réveillera un jour, je suis sûre. Habituellement, j'invite toujours d'autres personnes à rajouter quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de venir en avant. Vous pouvez rajouter quelque chose à partir de votre place, votre chaise, bien sûr. Simplement en levant la main, vous dites ce que vous avez à dire, positivement, bien sûr. Et moi, je vais le répéter en mes mots pour qu'on puisse s'assurer que tout le monde a bien entendu. À vous la parole. Ne serait-ce qu'une phrase. Je saluais le courage que Pascal avait pour faire des choses que, hors de l'ordinaire. Je me souviens, entre autres, que quand elle est allée en Ontario, son premier échange de voyage, elle devait monter sur scène et se présenter. Alors, avec sa faible connaissance de l'anglais, elle a dit « I'll do my best and fuck the rest ». Alors, c'est juste pour dire qu'elle a fait son entrée remarquée déjà, t'sais. Et son voyage au Chili, qu'on parlait tout à l'heure. Vous, elle arrive là-bas, sans aucun bagage, tout avait été volé dans le train déjà. Elle se retrouve dans une famille où elle ne sentait pas en sécurité, à manger de la viande mystère, avec sa faible connaissance de l'espagnol, bien difficile de savoir tout ce que c'était. Malgré tout ça, elle a fait son année au Chili, elle a réussi à tout changer ses conditions. Et puis apprendre que la fameuse viande mystère, c'est de l'estomac de vache. Plus petite, je me souviens qu'elle est toujours prête à suivre son frère, à sauter derrière ma mobilette, et puis qu'on puisse aller faire des tours un peu partout, même par des soirées neigeuses. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui voudraient rajouter? Alors, je pense que tu disais que c'était une mère qui est cool ou une cool mère. Alors, écoutons la prochaine chanson de Linda Lemay, Une mère. Thank you.
travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté, une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entrouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Je voulais justement qu'on puisse entendre cette chanson-là, mais on est limité dans le temps. Parce qu'une mère, je pense que ça a tout dit dans cette chanson-là. Je pense qu'il y a juste une chose qui manquait, une globe-trotteur. Parce que c'est ce qu'elle était, Pascal, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on puisse bien saisir les paroles comme telles. Maintenant, vous avez sûrement entendu parler peut-être une fois dans votre vie l'expression « le pouvoir des émotions ». Et un exemple justement concret avec la chanson qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y en a qui ont eu la chair de poule? Oui? OK. Quand je dis chair de poule, là, c'est que spontanément, là, le poil vous est remonté comme tel. Mais si vous regardez là, votre bras, votre main, peu importe, et vous dites « chair de poule », est-ce que ça va lever? Si quelqu'un me dit oui, là, j'aimerais ça que vous m'expliquiez comment vous faites. C'est ce que j'appelle une émotion positive. Est-ce que vous avez déjà eu la chair de poule, un moment de tristesse? Oui? Ou une chanson triste, peut-être? Ça, c'est différent, parce que ça vient vous chercher. Lorsqu'un bébé, par exemple, tout jeune bébé... Je recommence parce que l'idée est en train de se former en même temps. On appelle ça de l'inspiration. Vous vous souvenez sans doute de voir votre bébé, ou du moins les parents, faire ses premiers pas. Est-ce que vous en souvenez? Oui, je vois quelques petites têtes. Est-ce que vous vous souvenez de son premier rire? Oh! Question piège.
Non. On se souvient de son premier pleur, hein, au moment de l'accouchement, c'est sûr qu'il a pleuré. Mais son premier rire, c'est important. Puis pensez-y les prochaines fois. Si vous voyez justement un bébé, moi, je vais vous dire pourquoi. Qui a montré à ce bébé-là rire? Est-ce que quelqu'un vous y avait montré à cet enfant-là, voici comment tu vas rire? Non, hein? Ça vient comme spontané. Autrement dit, ce que j'essaie de démontrer ici, c'est comme dans notre ADN, que quand il y a des situations externes qu'on n'a pas nécessairement le contrôle, ça vient spontanément affecter nos émotions ou réagissent avec nos émotions et notre corps, d'une manière ou d'une autre. Quand c'est positif, comme la chair de poule ou tout dépendamment, on dirait comme une certaine énergie positive. Mais quand il s'agit justement d'un deuil, c'est plus négatif. Le stress, la colère, la peine, la dépression, ça draine de notre énergie. Vous savez de quoi je parle. Puis si ce n'est pas assez clair ce que je dis, vous avez, je ne peux pas croire, tous vu le film Rocky III, dans lequel, vous n'avez pas vu le film Rocky III? Scandale. Je vous invite à l'écouter au plus vite. Je voulais vous lancer le... Je ne voulais pas dire le punch, mais j'ai pas le choix de le dire, le punch. Hein, il se bat contre Mr. T. On s'en souvient. Qu'est-ce qui se passe? Mr. T, son entraîneur est dans le coin, il fait une crise cardiaque, il meurt. Rocky, qu'est-ce qui se passe? Il est triste. Il vit son deuil. Il n'est pas capable. Il veut refaire un combat, mais on dirait qu'il n'est pas dedans. On s'entend? Et Apollo essaie de l'encourager. Et on se souvient de son épouse? Adrienne, il fait un speech. Qu'est-ce qui est arrivé après le speech de madame? Est-ce qu'il s'est remotivé d'une certaine façon? Sorti du tunnel dans lequel il était, une période sombre qu'il était? Est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce que vous vous souvenez de la toune, de la musique qu'elle a avec? Ma foi, vous êtes dû pour réécouter ce film-là. Eye of the Tiger. Musique. C'est supposé de fonctionner. C'est important. Bon. Spontanément, là. L'émotion qui commence à embarquer, là. On voit un petit sourire. J'ai l'impression que ceux qui revoient le film, là, est-ce que vous voyez Rocky en train de remonter puis commencer à s'entraîner puis s'améliorer? On peut la baisser. Vous allez dire, ça paraît fou pour un service funéraire. On peut carrément l'arrêter. Ça paraît fou pour un salon funéraire lors comme tel d'un service. Mais l'idée ici, c'est de montrer. Dans notre vie, il y a des moments tristes. Il y aura des moments dans lesquels c'est sombre, mais ça fait mal, ça ne va pas bien. Mais si la vie, notre existence n'est que ça, honnêtement, moi, je ne serais même pas ici aujourd'hui. Il y a des moments que oui, il faut prendre le temps de vivre le deuil, mais à un moment donné, il faut prendre aussi le temps de se relever. Non pas à l'exemple de Rocky, mais c'est juste un exemple tout à fait banal que je donne, tout simplement. Mais à l'exemple de Pascal, et on le disait, et je pense qu'on l'a vu sur toutes les photos, elle avait un sourire. De sa première expérience comme jeune adolescente, elle m'avait dit en Argentine, en Chili, qui connaît à peine l'espagnol. Moi, je me souviens, j'étais au Guatemala, puis je ne connaissais pas plus l'espagnol. Puis la viande d'estomac à éviter. Parce que j'y ai goûté au Guatemala, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, il y a des moments qu'on a besoin de se revaloriser, qu'on a besoin de se remettre sur pied. Donc, pensez à ces beaux moments-là que, justement, elle a eu dans votre vie. Et je terminerai, parce qu'on est limité dans le temps, parce qu'il y a un goûter qui vous attend dans quelques instants, je terminerai avec un poème que j'ai rédigé qui s'intitule « De la mort à la vie ».
Il y avait un temps, où je te touchais par un câlin. Je savourais ta bonne compagnie. Je respirais ta présence. Je regardais la beauté de ton cœur. Et je t'entendais me dire, « Je t'aime ». Depuis quelques jours, je pleure ton départ. Mon cœur souffre de ne plus te voir. Je ferme les yeux et je prie pour ton retour. Je préfère vivre dans le passé. La souffrance et la douleur m'étouffent. Je m'isole de tout ce qui m'entoure. Mais par un miracle, aujourd'hui, j'ai appris l'importance de sourire. Ça, c'était spécifiquement, on dirait, pour elle. De sourire parce que j'ai vécu avec toi. D'ouvrir les yeux et de te voir dans mes gestes. D'être rempli de l'amour que tu m'as partagé. D'être heureux, heureuse pour demain, à cause de notre passé. D'honorer ton existence et ta vie. Te laisser voyager vers l'au-delà. De faire ce que tu aurais voulu de moi. D'aimer et de vivre pleinement ma vie. Alors, on va se souvenir de Pascal, de quoi? De tous les bienfaits qu'elle vous a apportés, d'une manière ou d'une autre, à sa façon, à elle, et de vous, à elle. Que peu importe ce que vous faites, peu importe où vous allez, que ce soit perdu dans les bois, que ce soit dans le camping, que ce soit nourriture, une coupe de vin, peu importe. Rappelez-vous qu'elle va continuer de vivre tant aussi longtemps que vous pensez à elle. Et c'est ça, vivre le moment présent, le moment le plus important qu'il peut y avoir. Parce que, vous savez, la vie, là, elle est très fragile. Je pense que vous le savez comme moi. Donc, tout ce que je vous invite, c'est de savourer le moment présent parce que ça pourrait très bien être le dernier. Sur ces paroles, je laisse le mot de la fin à Pierre. Initialement, je voudrais vous remercier d'être si nombreux. Malheureusement, on a dû refuser quelques personnes, mais c'est les règles du ministère de la Santé qui nous ont forcés à faire cette décision ou à prendre cette décision. Merci d'être présent. Merci, Derek, pour ces paroles chaleureuses. Merci d'avoir choisi le complexe funéraire Le Sieur. Sachez que nous avons été honorés d'être des vôtres aujourd'hui. Et on ne dit pas ici, on ne dit pas au revoir ou à bientôt. On dit bon courage. Merci. Tout à fait. Donc, juste avant, merci. On peut continuer, on aime ça, on aime ça. Donc, durant la toute dernière chanson sur notre liste, pendant cette dernière chanson, vous serez invités, libre à vous, bien sûr, de venir à l'avant et de faire ce que j'appelle l'imposition des mains à distance, parce qu'en principe, on ne devrait pas toucher l'urne en période de COVID. Et vous êtes invités à redescendre les marches. La première porte à gauche, vous descendez et vous êtes invités à un goûter d'amitié pour des petites bouchées. Encore une fois, nos plus sincères condoléances. Une bonne fin de journée. Merci. Et on vous invite à remettre vos masques. Merci. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras, me tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je peux aller encore plus loin. Laisse mon bras, me tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là aussi,
je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien, quand on est haut, oh, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin, je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort, encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Soir.